Aaron Kimball est un ancien héros militaire et l'actuel président. Salut, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que t'as à vendre? Bien sûr, jetez un coup d'œil. Ah, des bombes sucrées! Voilà. J'ai tué Janimé, j'ai toujours droit à une ristourne. Ah, on va le provoquer. Tué? Mais pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Elle a oublié de me téléphoner pour me réveiller. C'est vraiment fâcheux. C'est une femme bien. Enfin, c'était une femme bien. Elle aurait pu finir par vous apprécier. Elle est pourtant si rigoureuse pour ses réveils téléphoniques. Il a dû se passer quelque chose. J'espère que ça n'entachera pas notre solide amitié. Besoin d'autre chose? Bien sûr. Jetez un coup d'œil. Bon, est-ce qu'il y a des trucs que je peux vendre? J'aimerais acheter le pistolet, le méga pistolet. Allez, on va essayer de vendre ça. Ça fait quoi ça? Réduction de dispersion de l'arme. Allez, on va le vendre. Ça me fait quelques capsules. Ça m'embête de les vendre ça. Bon, c'est pas grave. Ah, je suis pas les pots des geckos dorés. Cartouche de cigarette, je vais les vendre. Pot de gecko doré. Oh, ça vaut que 14. Je pensais que ça valait plus. C'est pas grave. Et moi, je vais m'attacher ta super arme. Bah non, elle est où son arme hein? C'est ça, ah oui, cette arme. Elle s'appelle. Je crois que c'est. Ouais, c'est celle-là. Voilà, au revoir. Donc, j'ai ma nouvelle arme. Alors, on m'a dit que c'était une arme unique dans les commentaires. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Je ne sais pas, on verra bien. À quoi elle ressemble déjà? Waouh, c'est quoi ce pistolet? Mais il est bizarre. Bon, on a les bombes de sucre doré. Direction, direction, direction. Et ben l'usine, puis on aura fini enfin. On va aller tuer ces saloperies de ghouls qui sont fichus d'un pauvre être humain pendant 2 ans. 2 ans, ils ont fait croire que c'était une ghoul. Puis bah, si tout se passe bien, je vais peut-être descendre après. Comme ça, il n'y aura pas de témoin. J'espère juste que Boone va pas le mal le prendre si je descends en innocent. À moins qu'il puisse m'aider derrière, je sais pas. C'est ça qui est dommage dans ces jeux. Enfin, qui est dommage. C'est pas dommage, c'est bien fait, mais. J'hésite toujours à tuer quelqu'un, on sait jamais. Ça se trouve, plus tard, il pourra nous aider. On verra bien. Bon, bah, il aura pris du temps cette quête secondaire. J'espère au moins que je vais être récompensé. Parce que si je fais juste ça pour le fun, franchement, la récompense est pas terrible. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Vous avez trouvé les composants dont... Ouais. Je vais mélanger les bombes sucrées au carburant juste avant le lancement. Ils soupçonneront rien. Avant qu'il soit trop tard. Bien fait. Oui, je vais dire à Jason que le grand voyage peut commencer. Les fusées sont prêtes, Jason. Prêtes à emmener tout votre clan dans le grand voyage. Et bah, bon vent. Rassemblez-vous tous. Puisse le Créateur éclairer mon esprit et guider mes paroles. Le Tout-Puissant Créateur a jugé bon de répondre à nos prières. Le moment est venu d'embarquer à bord des fusées et d'entamer
le grand voyage. S'il nous semble parfois que tous les humains nous méprisent, le Créateur a estimé qu'il était bon de nous détromper. Le voyage aurait été impossible sans les efforts de deux amis humains. L'un parmi nous depuis longtemps, l'autre nouvellement arrivé. Nous remercions cette dernière personne et lui promettons de ne jamais oublier son œuvre face aux démons. Bonjour. Et à Chris, nous devons plus que des remerciements. Chris, c'est grâce à toi que le grand voyage a pu devenir réalité. À compter de ce moment, nous nous souviendrons de toi comme du saint du grand voyage. Nous ne t'oublierons jamais. Ça, c'est sûr. Je te demande de nous pardonner, Chris, et de nous accorder ta bénédiction comme nous t'accordons la nôtre. Hillel, embarquez. Prenez place. Le grand voyage nous attend. Nous partons pour la terre promise, pour le grand au-delà. Vous n'allez pas aller bien loin, mes pauvres. Salut. Salut. Il est parti où? Ah là, faut que j'aille autre part. Ah, faut que je reparte. Ah, faut que je remonte en haut. D'accord. Parce que je suppose que le truc de lancement, il est là-haut. Malgré les efforts des chasseurs bien équipés, les griffes morts. J'ai jamais le temps de finir. Un coup c'est trop long, un coup c'est trop court. Wouah! Ah, il est classe ce pistolet. Non, faut que j'aille où pour l'en faire le départ là, je comprends pas. Attendez, je vais rentrer là-dedans. Faudrait que je me soigne aussi, faudrait que je pense à dormir, je pense jamais à dormir. Ah, vous en avez assez de devoir abandonner du matériel puis de retourner faire des courses avec l'aptitude long trajet, d'accord. Avec l'aptitude long trajet, en gros, je peux quand même faire des voyages à longue distance, même en étant super chargé. Ça, c'est bien. Non, je suis allé du mauvais côté, là. Je crois que je me suis à moitié perdu encore une fois. Non, c'est par là. Le truc de lancement doit être là-haut, je pense. Hop. Pour qu'on leur fasse leur grand voyage vers l'infini et au-delà. Ouais, ça va être ça. L'augmentation de la compétence main nue. J'ai pas le temps de lire. Est-ce que c'est ça? Vers la plateforme de lancement. Ouais, ça doit être ça. L'aptitude. Une arme dont l'état se situe à 75% ne s'enrit jamais et inflige des dégâts maximum. Une armure à 50% offre encore une protection maximum. Ok. Ok, c'est bon à savoir. Avec la musique trop fort. C'était ça leur grand voyage. Ah, qu'est-ce que c'est bon d'être méchant.
Peut-être pas sauter, je risque de me tuer là en tombant. Et en plus, je fais un level up. Ça, c'est pas cool. Ah ouais, arme de corps à corps. Je vais continuer à augmenter les armes à énergie, je pense. Voilà. Bon, ben ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Faut que j'aille à côté de Novak. Ok. Ah mince, faut d'abord que je sorte pour pouvoir me téléporter. Et lui, il est encore là. La fausse goule. Non, mais on n'en sait rien s'il est encore là, la fausse goule. Ou il s'est enfui. Bon, allez, on part d'ici. On n'a plus rien à y faire. Donc on aura aussi le siège de la Repcon à aller voir. Ah, on a enfin fini cette quête. Dis donc, ça a été long. Ça a été long. Mais bon, ça m'a permis de gagner assez d'XP pour passer un level quasiment instantanément. D'ailleurs, je sais pas niveau combien je suis là. Un peu de musique, ça fait pas de mal. La sortie est pas par là. Ça y est, je me suis encore perdu. Non, je veux sortir d'ici. Je suis en train de tourner en rond, ça y est, je me suis perdu. Là, il y a les bureaux. Il y a une porte que j'ai pas vue là. Il y a du soin, ça c'est cool. Hop. Enfin du soin, des seringues vite, c'est pas terrible, j'ai rien dit. Ok, faut que j'aille par là. Ah, c'est quoi qui grésille comme ça? Ah voilà.
Et on peut enfin quitter cette usine. Ça y est, on a fini. Yololei. Yololei. C'est quoi ces musiques qui nous mettent? Alors maintenant, faut que je trouve quelqu'un à qui parler pour savoir, je crois bien, où sont partis ceux qui m'ont abattu au début du jeu. Vous rappelez-vous les jours heureux où le maître nous dirigeait tous ? Sa voix douce, fascinante, et pourtant étrangement insistante, qui s'insinuait dans... Voilà, hop. Alors, faut aller par où? Dans la boutique Dinobite. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous vous en sortez avec les ghouls? Je compte sur vous. Il n'y a plus de ghouls à Repcon. C'est vrai? Incroyable. Je savais que ça serait pas facile. Mais j'avais un bon pressentiment. Vous avez dû en baver. Bon, à propos de l'homme que je cherche. Ok, je vais vous dire ce que je sais, comme promis. Le gars que vous recherchez, Benny... Ils voyageaient avec des membres de mon ancien gang. Ils allaient à Boulder City. Alors c'est où ça? C'est tout droit, le long de la route 93. Suivez la route vers le nord. Aucune idée. Je sais que Benny n'avait pas encore payé. Ils allaient peut-être là-bas pour régler leurs dettes. J'espère que ça sera utile. Je vous devais bien ça. Adulation, la communauté vous idolâtre pour vous aide, pour votre aide et votre bonne volonté. Ok, bah c'est cool. Hein. Bon bah c'est ma ville, hein. Je suis idolâtré, c'est moi le roi de cette ville. Bon, donc Dino City, c'est officiel, c'est ma ville. C'est devenu ma ville. Hyrule City, on va l'appeler maintenant. Bienvenue à Hyrule City. Bon, je vais me reposer un peu dans ma chambre pour regagner mes PV. Et puis après, on va suivre la route. Direction plein nord. Pour aller dans une nouvelle ville. Hop, au dodo. À côté de mon ours en peluche. Il est 4h de l'après-midi. On va dormir 12. Ça fait 4h du matin. 5h, 6h, 7h, 8h. Ça fait 9h30 du mat. Comme ça, il fera encore tout beau, tout frais. Hop. Et on partira à l'aventure. C'est ça qui est bon. Allez, dépêchez-vous. Oh là là, le temps, c'est long à passer. Voilà, 9h30 du matin. Mon ours en peluche est toujours là. L'aptitude rein d'acier permet de porter 23 kg de matériel supplémentaire. Pff, incroyable. C'est-à-dire que le mec, enfin, cette compétence, il arrive à peser, il arrive à porter combien? 200, 300 kilos. Et donc on a dit, on prend la route plein nord. Ok. Eh ben on prend la route. Plein nord. C'est parti mon kiki. Je pense qu'on risque de croiser 2-3 saloperies en cours de route. Ça sera l'occasion de tester mon petit pistolet. Une petite sauvegarde rapide. On n'en parle plus. Voilà. J'ai toujours mon copain derrière moi. Qui met des headshots à 300 km sans regarder. Et donc ça c'est la RNC qui...
qui en est propriétaire. Enfin, qui l'a pris. Helios One. Hop. J'ai pas encore essayé ma combinaison de cosmonaute. Parce que tout à l'heure, j'ai récupéré quand même une combinaison spatiale. Ah, c'est encore plus efficace contre les radiations. Parce que celle-ci, elle fait plus 30 en résistance radiation. Alors que celle-là, elle fait plus 40. Le look. Avec la petite antenne sur le casque qui bouge et tout. On va essayer de pas trop l'abîmer cette combinaison parce qu'elle me servira. Elle me servira quand on ira dans des zones radioactives. Je suis en train de résister plus longtemps. Non, pour le moment, il n'y a pas de méchant. Quoique ça, c'est tenu par la RNC. On va faire respecter un minimum l'autorité dans le... Dans le coin, j'espère. J'espère. Alors... Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a même pas de monstres, il n'y a rien. J'ai rien dit. Les voilà. Oh là 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 là, il leur met de ses cartouches. Il est impressionnant. Waouh, ce headshot. Bouge pas. Il avait carrément un marteau quoi. Après l'épée, le marteau. En arme de corps à corps. Ah. Il avait une masse. On va lui prendre sa masse. Même si c'est moins fun que l'épée. Et les autres, ils sont morts où? Enfin, les autres, je les ai même pas vus hein. Couteau à beurre. Ah, il y a une station service, on va aller voir un peu ce qu'il y a là-bas. Récupérer des provisions peut-être en cours de route, ça serait pas mal. Ah, ah non, c'est pas barricadé, j'ai rien dit. Station service d'El Dorado. J'espère juste qu'il n'y a pas 50 brigands à l'intérieur qui m'attendent. Non, il n'y a rien. Ok. Armoire à armes. Ah. Ok, il y a des pistolets mitrailleurs. Des petites capsules, on va prendre. Ah, faut se mettre pile dessus pour les avoir. Voilà. Hop, bon, on en profite. On va piller un petit peu cet endroit. Des boules de gomme. De la levure. Je sais même pas pourquoi j'ai pris de la levure. Ah, du radix. Non, c'est l'autre caisse de munitions que je veux. Voilà. Bon, on n'est pas venu là pour rien. On n'est pas venu là pour rien. Vous avez fait quelques munitions en plus. C'est des marchands, eux. Ouais. On va essayer de leur tirer dessus. Quoique, ça me permettrait peut-être de le piller, le gars. S'il est tout seul et isolé. Ça, c'est le marchand. On va peut-être commencer par abattre.
Le mercenaire. Une balle. Deux balles, il est mort. Une balle. Désolé ma jolie. Tire sur quoi là? Tu es à moi. Oh la vache. Pouah. Ils avaient plein de trucs, c'est cool ça. En plus, personne m'a vu. Ma réputation n'a pas pâti. Ça, c'est être un vrai brigand. Il y avait une machette, carrément. Dégâts par seconde, 19, et pas grand chose, hein. Alors, c'est toi qui m'intéressais. Voilà. C'est tout ce que t'avais sur toi? Voilà. Bon. On dira qu'on n'y est pour rien dans l'histoire. Un marchand qui a encore fait une mauvaise rencontre en cours de route, ça arrive souvent, malheureusement. De nos jours, les routes sont pas sûres à côté de New Vegas. Et je devrais plus être trop loin de la ville. Elle doit être derrière ces collines, je pense. Mais c'est vrai qu'il est pas mal ce petit pistolet, je l'aime bien en tout cas. Il y a des ennemis par là. Ah, c'est des rats de scorpions. Tiens. Sale bête, va. C'est ça, Boulder City? Ah, j'ai encore un ennemi dans le coin. Ah, il est là-bas au fond. Ouh, ce coup critique, désintégré. Non mais, oh là là, c'est rempli d'ennemis par contre. Voilà, on n'en parle plus. C'est quoi, je les vois pas. Ah, c'est des rats de scorpions, il y en a partout. Vous avez obtenu l'aptitude écraseur d'insectes degré 1. Ok. Oh. C'est un tueur en série bonne derrière moi. Il est excellent. Excellent comme compagnon. Alors je suppose que c'est ça, Boulder City. Enfin, ce qu'il en reste, en tout cas. Il y a un saloon ici. Un morceau de mur. Ah non, c'est quoi? PVT. Ah, sergent, d'accord. C'est ceux qui ont dû mourir pour la RNC. Qu'est-ce qui se passe ici, nom de Dieu? Ah. On a un problème avec des grands cannes. Les chefs de McCarran m'ont ordonné de boucler les ruines tant que ça ne serait pas réglé.
Qu'est-ce qui se passe avec les grands cannes? Une de mes patrouilles rentrait de Novak quand elle s'est fait tirer dessus par les grands cannes. Ils ont demandé des renforts par radio, mais au lieu de nous attendre, ils ont suivi les grands cannes dans les ruines et se sont fait choper. Il n'y a pas eu de mort, mais tous ne sont pas ressortis. Les cannes tiennent deux otages, les soldats Ackerman et Gilbert. Alors, ces grands cannes ont peut-être quelque chose qui m'appartient. Une fois les grands cannes morts ou capturés, vous pourrez récupérer ce qu'ils vous ont pris. Ah, je pourrais peut-être conclure un marché avec les grands cannes. En temps normal, je refuserais, parce que je ne vous connais pas. Mais comme les otages seront tués si on attaque... Très bien, je vais vous laisser l'occasion de parler aux grands cannes. Leur chef est un dénommé Jessup. Si on entend tirer, on arrivera, mais il sera probablement trop tard pour vous. Ne vous en faites pas pour moi, je sais me débrouiller côté combat. Bonne chance. Ah cool, on va faire cette petite quête. Et on va s'arrêter là, je pense, parce qu'on va déjà dépasser l'heure de vidéo, à peu près. Donc je vais couper là. Enfin, je vais d'abord finir cette quête, hein. J'ai envie d'essayer de convaincre le grand Khan. Sinon, ça va finir dans un bain de sang. C'est bon les bains de sang. C'est bon pour la peau. Alors, je vais en profiter pour sauvegarder, parce que si je rate mon dialogue, je pense que ça va finir avec des coups de feu, des morts, des cris, de la violence. Ok, la RNC, elle est ici. Où est-ce qu'ils sont? Ils se sont réfugiés là. Hello. Salut ma jolie. J'espère que la RNC n'enverra pas de renfort depuis le barrage. Où est-ce qu'il est leur chef? C'est lui? Non, c'est un grand Khan. Où est leur chef? Non, ça ouvre derrière. Je suis pas sûr qu'une porte comme ça soit très utile, à vrai dire. Vu comment elle est pétée de partout, elle sert plus à grand chose la porte. Hein. Alors, où es-tu, chef? Moi, je suis bête, j'ai un indicateur de quête, j'ai qu'à le suivre, au pire des cas. C'est par là, normalement. Vers la cachette des grands cannes, rien que ça. Et pourquoi leurs otages, ils ont pas caché là-dedans? Bon sang. Vous êtes ce courrier que Benny a flingué à Good Springs. Vous devriez être 6 pieds sous terre. Je suis un fantôme, je suis revenu te hanter. D'accord, très drôle. Bon, vous avez survécu et vous nous avez retrouvés, et maintenant? Je l'ai pas, Benny l'a volé juste avant de nous poignarder dans le dos. Probablement en train de rire de moi sur le strip. D'accord. Si on parlait de régler la situation entre la RNC et vous... Qu'est-ce qu'il y a à négocier? La RNC se replie, on se tire et tout le monde reste en vie. Si tu libères les otages, la RNC t'escortera hors de son territoire. Je demande pourquoi j'accepte, mais d'accord. Les otages peuvent partir. Mais la RNC a intérêt à remplir sa part du contrat. Tenez, un souvenir. C'est le briquet de Benny. Enfoncez-lui dans le cul quand vous mettrez la main sur lui. Une fusillade me fait pas peur, mais je préférerais rentrer à Red Rock sans trou supplémentaire dans la carcasse. Alors on a dit, on va augmenter... Les armes à énergie, on va les monter à 50.
Et le reste, on va mettre ça au corps à corps. Et alors là, j'ai le droit à ça. Alors, entraînement intense. L'aptitude d'entraînement intense va être d'ajouter un seul point à l'un de vos attributs spéciaux. Ok. Compréhension. Aptitude de compréhension rapporte un point de compétence supplémentaire à chaque lecture d'un livre de compétences et double les bonus à la lecture de magazine. Ça peut être pas mal, ça. Non, on va prendre ça. Pour que tout le monde explose en morceaux. C'est tellement plus fun. Bon, j'ai plus qu'à parler aux gars de la RNC pour leur dire que tout est bon. On va voir comment ils réagissent. Extrêmement violent du fait d'un usage excessif de la drogue, les Tox de New Vegas sont les raiders les plus nombreux et les plus féroces des terres dévastées. Putain, mais je les ai pas encore rencontrés, je crois bien, les Tox. J'ai hâte de les rencontrer. Bon, il est où l'autre? Il est là. Je suis content que vous ayez libéré mes hommes, mais il y a un autre problème. Je viens d'avoir l'ordre d'abattre les grands cannes, otages ou pas. Ah. Allez-y, les grands cannes n'ont nulle part où aller. Vous avez conclu un accord avec les cannes? Bon sang. Les attaquer maintenant, c'est assez dégueulasse, mais les ordres sont les ordres. Eh ouais. Merci pour ce sauvetage. J'ai bien cru que j'étais. Ok, ben voilà, c'est la fin de cet épisode. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain épisode que je regarde ça? Les quêtes. Affronter Benny au casino The Top. Eh ben on va carrément à la New Vegas dans le prochain épisode, j'ai l'impression. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On a fini la quête des fusées. On a envoyé les ghouls dans l'au-delà. On a passé un... d'accord avec les grands cannes pour les trahir ensuite, vu que je suis un salopard, c'est ça qui est bon. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut les loulous!